Cette semaine, dans Parole d'Assaut, zoom sur la ressourcerie des Biscottes, une association qui gère un chantier d'insertion. Implanté 19 avenue du Moulin Marcille, au Pont-de-Cé, ce magasin est ouvert tous les mercredis après-midi et les samedis de 9h à 18h. Dans cette caverne d'Ali Baba, les objets d'occasion retrouvent une seconde vie. Je suis Benoît Akaoui, le directeur de la ressourcerie des Biscottes depuis les débuts de la ressourcerie, il y a maintenant un an et demi. Donc Jean-Yves Renard, je suis encadrant technique. Je m'occupe de la partie atelier et magasin. Ça fait depuis le début, depuis février 2013, que je suis arrivé, peut-être un mois après Benoît, le directeur. Donc Hervé Seunier, je suis encadrant technique à la ressourcerie et chargé d'insertion également. Et j'y suis depuis le mois de février 2013. Je m'appelle Philippe, j'ai bientôt 50 ans et je suis arrivé à la ressourcerie en mai 2013. Alors je me présente, je m'appelle Priscilla. Je suis actuellement en chantier d'insertion à la ressourcerie des Biscottes. Ça fait 5 mois que je suis en CDD. Alors on est sur le site des Biscottes, qui est l'ancien site connu pour notamment être le lieu de production des Biscottes Langevines, que le groupement d'associations Entreprendre pour la solidarité a racheté au groupe Pasquier en 2012. Et ce site fait 11 000 m², il y a 6 000 m² couverts. C'était un très beau lieu pour y installer la ressourcerie, à la fois parce qu'il y a besoin de place, dans ce métier, la nature a horreur du vide, et puis aussi pour pouvoir y mettre un magasin qui soit accessible au public, avec des lignes de bus qui passent pas très loin, un grand parking, enfin c'est un certain nombre d'atouts pour un site comme celui-là. Le principe de la ressourcerie, c'est un concept qui est sensiblement équivalent à celui d'Emmaüs, que tout le monde connaît. Nous collectons des objets dont tout un chacun souhaite se séparer. Nous les valorisons, ça veut dire beaucoup de tri pour séparer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, beaucoup de nettoyage et un peu de réparation quand c'est dans nos compétences. Et puis nous les mettons en vente à travers notre magasin solidaire. Là-dessus, on a une couleur un peu particulière, c'est qu'on essaye de faire autant que possible de la sensibilisation à la réduction des déchets. Donc on se sert aussi de cet outil pour accueillir des groupes d'adultes ou de scolaires pour une visite animée sur le thème de la réduction des déchets. Et c'est une manière aussi de découvrir ce que seraient devenus les déchets si la ressourcerie n'existait pas, et puis aussi l'intérêt sur le plan environnemental d'un outil comme celui-là. Donc il y a deux choses qui nous différencient d'Emmaüs. D'abord le modèle économique. L'ensemble des personnes qui travaillent à la ressourcerie sont pour la grande majorité des salariés. La plupart sont en parcours d'insertion, à la différence d'Emmaüs qui est une communauté. Et puis la deuxième, c'est qu'on n'a pas l'outil de la déchetterie sur le site. Et du coup, quand on collecte des objets que l'on ne pourra pas valoriser dans le magasin, on doit les remettre en déchetterie, les évacuer. Et ça représente un coût pour notre structure. C'est pour ça qu'on explique assez volontiers aux personnes qui apportent à la ressourcerie nos différences et puis le fait que du coup on ne peut pas tout prendre. Alors, la ressourcerie de Biscottes, c'est tout d'abord un chantier d'insertion avec 17 postes en insertion. On est dans le réemploi solidaire. Donc en fait, nous on va chercher des objets, on collecte des objets, divers objets. En déchetterie, chez les particuliers et en apport volontaire. Les gens nous déposent aux horaires du magasin les objets. La ressourcerie, c'est à la fois la rencontre de plusieurs acteurs, une volonté entrepreneuriale d'un groupement associatif qui s'appelle Entreprendre pour la solidarité, la rencontre avec des anciens porteurs de projets qui étaient dans le conseil d'administration d'une structure qui a fermé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Atelier Ressources Anjou, qui animait aussi une ressourcerie qui était boulevard Gaston Birger. Et puis la rencontre avec les élus de l'agglo qui se posaient déjà la question
de développer la filière de réemploi. Il existait un test sur quelques déchetteries avec Emmaüs et il y avait une volonté de la part d'Angers Métropole d'étendre le réemploi sur les différentes déchetteries. Et puis le quatrième ingrédient, c'était la disponibilité de places en chantier d'insertion qui sont allouées par l'État. Et l'ensemble de ces quatre ingrédients, ça a permis la naissance de la ressourcerie. Juridiquement, l'association existe depuis 2012, mi-2012. Elle existait pour pouvoir porter le projet, le construire. L'agrément en tant que tel a été donné fin 2012, en décembre 2012. Moi, en tant que directeur, j'ai été recruté janvier 2013, et puis ça a été le début des recrutements. Entre janvier 2013 et juin 2013, on est passé de 1 salarié dans l'association à 18 salariés, avec notamment 14 salariés en parcours d'insertion. Aujourd'hui, il y a 22 salariés sur la structure. Alors, je suis agent polyvalent, je suis particulièrement dans le tri des vêtements. Donc, on trie tout ce qui est chaussures, sacs, valises et tout ce qui est linge de maison. Le mardi, quand j'arrive, le magasin est fermé. Donc, en fait, on prépare tout pour le réassort pour le mercredi. Donc, je fais tout le tri, je mets tout en rayon, je mets les prix en fonction des vêtements. Alors, j'ai deux missions. J'ai une première mission qui concerne l'encadrement de l'équipe. Donc, je suis à mi-temps sur ce poste-là. Donc, l'encadrement, vous avez déjà vu mon collègue tout à l'heure. Voilà, c'est la même mission. C'est accompagner au sein d'une activité les salariés. Et la deuxième partie, c'est plutôt une mission d'accompagnement. C'est-à-dire que je suis en charge de l'accompagnement des salariés pour un projet professionnel pour qu'ils puissent sortir sur soit une formation, soit un emploi durable. Comme je travaille à mi-temps sur deux postes, lorsque je suis sur l'équipe encadrante, je suis principalement dans l'atelier. Donc, je suis avec les salariés au niveau du tri ou au niveau des collectes. Donc là, je les aide, je les aiguille un petit peu. Et lorsque je suis plutôt chargé d'insertion, je les reçois en entretien pour certains. Et sinon, il y a quand même une partie administrative qui est un petit peu conséquente. Donc, j'ai du travail également. Je fais des recherches d'emploi également, parce que je ne les fais pas forcément tout le temps avec eux. Mais ça m'arrive de regarder sur le site Pôle emploi et si ça peut correspondre à un projet d'une des personnes, je lui transmets l'offre et après, une fois qu'elle a l'offre, on revoit ensemble le CV s'il y a besoin. Et puis s'il n'y a pas besoin, elle l'envoie directement si elle est suffisamment autonome ou si elle se sent suffisamment autonome. Je regarde également tout ce qui concerne les formations, quels sont les types de formations qui peuvent exister. Donc je le fais en amont et puis après, j'en discute avec elle. Alors je crois qu'à part toucher au textile, j'ai à peu près tout fait. Donc ça fait un moment que je suis là, j'ai touché à tout. Je m'occupe principalement de tout le rayon culture, ce qui est livres, disques, CD, etc., vinyle. Et autrement, je donne un coup de main un petit peu partout. Je conduis le camion, je vais aux collectes, aux déchetteries, etc. Alors, il n'y a pas vraiment une journée type. On ne sait généralement pas le matin en arrivant ce qui va se passer, puisqu'on déborde d'activité. Il y a trois fois par semaine, par exemple, on va en déchetterie. Donc il faut déjà y aller, revenir, trier les objets. Autrement, il y a bien sûr le plus gros de l'activité, c'est le tri d'objets, comme pour moi les livres ou les disques, par exemple. Mais ça peut être du bricolage, de l'aménagement, donner un coup de main à droite à gauche. Et puis avec les journées du mercredi et du samedi à part, qui sont des journées où le magasin est ouvert, où on doit avant faire le réasseur et s'occuper des clients. Ma mission, c'est d'encadrer l'encadrement des salariés. Donc je leur donne une tâche le matin et il faut que je surveille toute la journée leurs tâches en leur expliquant, en les suivant dans la tâche que je leur ai donnée. Moi j'arrive souvent un peu avant le matin, un quart d'heure, 20 minutes. Je prépare et quand ils arrivent, je les envoie, j'ai une équipe qui part en collecte. Après il y a une équipe que je mets au tri, réassort du magasin. Après des fois il y a l'entretien, réparation de meubles. C'est à peu près les journées que je fais, les papiers évidemment. Donc en ce moment, on est dans l'atelier de la ressourcerie. C'est la partie un peu cachée de la ressourcerie dans laquelle tous les objets vont passer à un moment donné, soit parce qu'ils sont en très bon état et sont tout de suite mis en stock avant vente,
soit parce qu'ils nécessitent une étape de tri, de valorisation supplémentaire. Et c'est ce qu'on voit derrière nous, les alignements de textiles, d'appareils électriques, électroniques, de vaisselle, de jouets, etc. Qui vont nécessiter du coup plus de temps pour pouvoir vérifier si c'est des objets qui ont du potentiel ou qui n'en ont pas. Au niveau ameublement, on récupère tout. On répare pas tout parce qu'on a énormément d'arrivages. Donc on va réparer un pied, une étagère, une petite serrure. On va se permettre de réparer ça. Mais autrement, dès que c'est un peu trop, on a une benne écomobilier, le nouveau système qui s'est mis en place. Et on met ça dans la benne et après c'est reparti dans une filière de démantèlement. Et voilà. Alors, on trouve de tout à la ressourcerie, tout ce qui peut se trouver dans une maison, dans un appartement, dans un jardin, à sa place à la ressourcerie. C'est-à-dire, du coup, on va trouver du mobilier, notamment, mais pas uniquement, de la vaisselle, de la déco, des jouets, des DVD, des livres, du textile. Même de l'outillage, on trouve par exemple des chutes de carrelage. Quelqu'un qui voudrait finir sa salle de bain pourrait trouver de quoi faire. Et on a fait le choix à la ressourcerie que ce soit les salariés eux-mêmes qui mettent le prix des objets. Voilà, c'est plutôt que d'être moins autonome et de devoir demander régulièrement à l'encadrant, on a choisi plutôt de les rendre autonomes, c'est-à-dire aussi de les rendre curieux des objets qui vont vite trouver preneur dans le magasin, qui vont vite être adoptés, et puis aussi d'être curieux de ceux qui vont mettre moins de temps à trouver. Le bon prix pour nous, c'est le prix qui fera que l'objet partira dans un laps de temps raisonnable. On n'a pas envie que le magasin, ça s'amoncelle, on a envie que ça circule. D'ailleurs, on ne peut pas attendre trop parce que les objets continuent d'arriver dans le magasin. Et donc, du coup, à un moment donné, on ajuste le prix en fonction de leur durée de vie dans le magasin. On reçoit parfois des très beaux objets parce qu'ils ont une valeur sentimentale ou historique. C'était notamment le cas à un moment donné, Ghislaine, dans un palox d'objets de déco, a retrouvé une petite boîte avec la marque des biscottes Langevine. Donc c'était un petit cadeau qui racontait l'histoire du site. Voilà, c'était un petit objet particulier, sans valeur pécuniaire, mais avec une vraie valeur sentimentale. On a parfois des livres rares qui sont intéressants, oui. Et puis intéressés aussi parce que nos clients demandent. Je suis surpris, par exemple, que j'arrive même pas à fournir le rayon philosophie. Je ne m'attendais pas à ça, mais il est vidé toutes les semaines. Et je ne récupère pas assez de livres aux pensions, et c'est une bonne surprise. Alors bien sûr, à côté de ça, il y a les romans policiers, mais on a des rayons particuliers qui intéressent le public, et c'est intéressant. C'est intéressant aussi de mettre de côté pour eux et de travailler pour eux. Et on a des gens très curieux. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas acheter dans un autre magasin que chez nous à cause des prix. Il y a des gens qui sont intéressés un peu à la manière d'un brocanteur, qui cherchent des perles rares, des objets anciens ou d'une époque particulière. Et puis il y a de tout, des gens qui viennent simplement pour une bonne affaire, des étudiants pour meubler leur appartement, etc. Des résidences secondaires ou chercher par exemple un meuble rare qu'ils n'ont pas trouvé dans le commerce. Donc c'est très varié. On a aussi bien des familles, des grands-parents que des enfants, des étudiants, de tout. On a été aussi sollicité par des entreprises qui nous appellent pour collecter des bureaux, du mobilier professionnel, que quand on le collecte, on n'est pas en mesure de le mettre dans le magasin quand on collecte 40 bureaux identiques parce que la personne a libéré ses locaux. Ça a moins d'intérêt. Et pourtant, au cours de l'année de démarrage, on a collecté du mobilier, on en a revendu. Ça nous a laissé croire qu'il y avait peut-être une activité à développer autour de ce sujet-là. Et du coup, dès le mois de septembre, on va débuter une nouvelle activité à destination des entreprises de collecte et de revente de mobilier professionnel de seconde main. Voilà. Le souhait qu'on a avec ce projet, c'est peut-être de voir comment continuer de créer de l'emploi, peut-être de créer de nouveaux postes. L'objet de l'association, l'objectif, c'est vraiment la création d'emplois. On sait qu'on collecte entre 8 à 10 tonnes par semaine d'objets. Sur une année, l'année dernière, c'était l'année de démarrage. On a démarré progressivement. On a collecté plus de 160 tonnes, 165 tonnes.
Si on tire un trait sur l'année 2014, qui va être une année complète, on va être entre 300 et 350 tonnes, ce qui est conséquent. D'ailleurs, ça justifie le fait qu'on ait envie de continuer de créer de l'emploi à partir de cette activité, parce qu'avec 22 salariés, c'est toujours pas suffisant pour répondre aux besoins de manutention, de tri, de valorisation de tous ces objets. Alors, les personnes qui vont arriver à la ressourcerie des biscottes, c'est tous horizons. Il n'y a pas de discrimination, quelle qu'elle soit. Le principal, c'est que la personne doit avoir soit être chômeur longue durée, soit être bénéficiaire du RSA socle. Après, il n'y a pas de choses particulières, on ne demande pas de choses particulières, de savoir-faire particulier à la personne. Alors, les personnes, lorsqu'elles arrivent, elles n'ont pas forcément le sens du travail. Parce que pour certaines, ça fait longtemps qu'elles n'ont pas travaillé, donc il faut les réhabituer déjà à un rythme de travail. Donc rythme de travail, ça veut dire les horaires du matin plutôt les respecter, les temps de pause respecter et ainsi de suite. C'est déjà toute cette phase-là qu'il va falloir retravailler avec eux. Ensuite, c'est tout ce qui concerne le travail proprement dit, ce qu'on attend d'eux au sein d'une ressourcerie. Alors, en fonction des personnes, il y a forcément des personnes qui partent de plus loin que d'autres, donc on ne va pas leur demander les mêmes choses. Donc c'est pour ça, moi je travaille également en termes de l'accompagnement. Il y a des personnes qui sont déjà pas autonomes, mais qui s'en rapprochent. Et donc du coup, on va plutôt travailler tout ce qui concerne les techniques de recherche d'emploi, le CV, l'aide de motivation, comment chercher une offre, etc. Donc ça va dépendre du rythme de la personne, à quel rythme elle souhaite avancer. Parce qu'il ne faut pas qu'on les brusque non plus, parce que le but, c'est pas qu'ils arrivent au clash et du coup, on n'arrive pas à sortir ces personnes-là du milieu où ils sont. On essaye de mettre les salariés dans des postes, par exemple aux réparations de meubles, on va mettre des personnes qui sont bricoleurs, quoi. Pas forcément menuisier ébéniste, mais bricoleurs. Pareil pour la conduite, on essaye qu'ils aient déjà piloté un camion avant de les envoyer en collecte. On fait un peu ça. Autrement, quand on n'a pas le choix, j'essaye de passer le maximum de temps avec eux pour leur expliquer, et voilà, pour que ça fonctionne bien. Les personnes restent en moyenne, pour le moment on débute, donc il n'y a pas forcément de chiffres exacts, mais on a quelques personnes qui sont sorties au bout d'un an, 6 mois, il y en a quelques jours, parce que ça ne convenait pas forcément. Et en ce qui concerne les activités, c'est vente, on a du tri principalement. Après, c'est tout ce qui peut se trouver dans un magasin, quand on fait les collectes chez les particuliers, on développe une partie entreprise, voilà, c'est toutes sortes de choses que les salariés peuvent faire. Donc on a quelques personnes qui sont sorties, une qui s'est mise auto-entrepreneur, une autre personne malheureusement qui est sortie parce qu'elle souhaitait arrêter pour des raisons de santé. Et là on en a quelques personnes qui doivent sortir, toujours une deuxième personne plutôt auto-entrepreneur, et d'autres peut-être un emploi, il doit passer un entretien et certains ont déjà passé des entretiens. Donc c'est déjà un début, c'est déjà plutôt correct, sachant que les personnes, ça fait 18 mois pour le maximum que les personnes sont là. Donc ça reste pour le moment bien. Alors, j'aime bien le côté écolo au départ. Déjà d'éliminer les déchets qui seraient autrement enfouis ou incinérés me plaît pas trop. Là, au lieu de parler d'écologie, on a l'occasion de faire quelque chose pour ça. Donc ça, c'est intéressant. Il y a un aspect social, beaucoup de nos clients n'ont pas forcément les moyens d'acheter ailleurs. Donc ça, c'est aussi très bien. Et puis on montre à tout le monde qu'en fait des objets d'occasion peuvent avoir une seconde vie et sont tout aussi intéressants. Donc tout ce contexte est intéressant. Alors le concept est plutôt pas mal. Moi j'apprécie le concept parce que disons que le réemploi c'est quelque chose qui nous touche tous, on a tous besoin de ça. Et le fait d'avoir un support d'activité sur ce réemploi, ça permet également de diffuser un petit peu plus le fait que les personnes viennent en apport volontaire également. Les salariés ont la possibilité de leur expliquer un petit peu ce que l'on fait et où vont les objets. Parce que la plupart des gens ne savent pas forcément où vont tous ces objets, mais quand ils jettent en déchetterie, ça ne va pas forcément aux endroits où ils pensent. Ça va principalement dans l'enfouissement. Donc on a toute cette partie. Donc je pense que la ressourcerie a sa place largement dans le système angevin pour le moment et j'espère que ça va se développer, qu'on en fera beaucoup plus. Ouais. Sachant que lorsqu'on voit tout ce qu'il rentre en ressourcerie, c'est à peu près, je sais pas, 9-10 tonnes par semaine,
9 salariés pour s'occuper de 10 tonnes, ça commence à faire beaucoup, sachant qu'il y a un magasin également à faire, ça fait énormément. Donc si on pouvait monter à 25, ça serait très bien. Et après, on développera peut-être d'autres projets, on ne sait jamais. Après, ça là, c'est le conseil d'administration qui décidera et la direction. Mais je pense que oui, il y a sans doute des projets à développer. Ouais. Donc la ressourcerie a démarré il y a un an et demi. Aujourd'hui, on ne peut pas tirer une conclusion définitive sur le modèle économique. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que l'année dernière était une année de démarrage qui nous a permis de bien découvrir. Cette année, on sera à l'équilibre financier, c'est sûr, avec la particularité pour un chantier d'insertion, c'est que l'équilibre il se trouve quand il y a à peu près 70% de subventions et 30% qui viennent de la part du magasin. Donc, ce qui revient à dire que les achats en magasin, c'est un acte solidaire dans le fait que ça permet de financer 30% du budget de la structure. Par rapport aux salariés en insertion, je trouve qu'on a un super support de travail, la ressourcerie. On a plein de choses diverses comme travaux. Pour eux, c'est bien aussi. Ils ne sont pas tout le temps une tâche, ils vont en collecte, ils vont réparer un meuble, ils font du rasseur, ils voient les clients. Donc moi je trouve que c'est un super support, la ressourcerie. Et ils ont la possibilité de faire des actions d'immersion. Alors ça veut dire qu'il faut déjà développer un projet professionnel. Et une fois que le projet est à peu près validé, ils ont la possibilité de faire des immersions en entreprise directement. Donc ça leur montre un petit peu quel est le monde de l'entreprise et si c'est bien leur projet correspond bien au métier qu'ils ont défini dès le départ. Donc on a eu l'occasion, nous, un de nos salariés qui souhaitait être plombier chauffagiste et qui a fait cette immersion. Et donc là, il a été pris au GEC BTP et il est en contrat pro actuellement pour une période logiquement de 18 mois. Et tout se passe bien apparemment pour lui. C'est vrai que c'est différent des autres travails. Là, c'est vrai qu'on a de tout. Donc après, c'est vrai, ça nous apprend dans différents thèmes de métier, ça nous apprend plus, quoi. Il y a une bonne ambiance, il y a une bonne équipe, donc c'est vrai que non, pour moi, ici, c'est pas ennuyé du tout. On découvre chaque jour de nouveaux trucs, donc on apprend. Et on a en plus la chance d'avoir un contact avec le public, avec l'extérieur qui est intéressant, ils sont très nombreux. Donc ce côté vie intense me plaît bien. Et puis on est ici dans un grand bazar qui reçoit des tonnes de marchandises tous les jours pratiquement. Et ça c'est intéressant aussi. Le côté travail qui déborde, j'aime bien. C'est un boulot génial. c'est bien par rapport à au magasin, tout ce qu'on peut remettre dans le circuit, c'est déjà une bonne chose, quoi.